Fin pour les jeunes de la 3e du collège à Garande. C'est leur deuxième jour d'initiation à la navigation sur la plage du Pimpoum à Kourou. Nous avons mis en place le stage voile pour développer des nouvelles compétences chez les élèves, à savoir l'esprit d'équipe, la cohésion et aussi lutter contre le décrochage scolaire, à savoir faire apprendre aux élèves différemment en leur ouvrant d'autres horizons culturels, notamment ici la voile, puisqu'on s'est rendu compte que finalement il y avait beaucoup d'élèves qui n'allaient pas sur la plage de Kourou et qui n'exploitaient pas les activités nautiques ici. Depuis le mois de décembre, les 10 classes de l'établissement ont passé 4 demi-journées sur l'eau. Réparties en groupes de 3 et encadrées par les moniteurs de l'association nautique de Kourou, visiblement, les progrès ne se font pas attendre. Et ça marche plutôt bien. Les collégiens sont enthousiastes et conquis par cette nouvelle activité. Et bien sûr, c'est bien fait. C'est super, c'est super. On pensait que, au début, on pensait que ça allait être hyper difficile, mais à la fin, c'est trop bien. T'as pas eu un petit peu de peur, là, au début? Au début, si. Pourquoi? J'avais peur de tomber. Pour moi, tout ce qui est difficile, c'est un peu au niveau du foc, pour freiner ou bien l'accélérateur. Sinon, pour moi, ça va. On se sent vraiment en ami, pas entre camarades de classe. Déjà, ça nous fait du bien, le fait de sortir un peu du collège. Parce ouais. que rester tout le temps sur les cahiers, c'est pas très... C'est pas très... Voilà. Et on a appris quelque chose. On apprend de nouvelles choses, quand même. Parce que c'est la première, c'est ma première expérience. Cette session d'initiation à la voile était une première pour le collège. D'un coût de 13 000 euros, toute l'équipe pédagogique espère sa reconduite l'an prochain, à condition d'en trouver le financement.